ça contraste la musique, hein. Oui, c'est pour vous faire revenir un petit peu dans la réalité, puisque vous avez dû être un petit peu scotché si vous avez suivi tous les streams consacrés à Van. Le voyage était beau, le voyage était agréable, le voyage était surprenant. Bref, au niveau dépaysement, on a été totalement servi. À qui s'adresse le jeu ? Alors là, on va dire que c'est un jeu quand même plutôt casual, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'énormes skills pour se balader dans le magnifique univers de Van. Par contre, il faut avoir une attention de tous les instants, puisque le jeu, dans son silence total, bah, vous laisse décider, trouver par vous-même et interpréter les choses qui vous entourent, même si de temps en temps, il y a 2-3 indices quand même qui sont posés avec une relative évidence. C'est pas si simple. L'autre chose qui perturbe un petit peu, c'est la dimension de son monde, qui est beaucoup plus grande que ce qu'on imagine, mais pas trop, et qui fait qu'on peut s'y égarer, mais sans vraiment s'y perdre. Ce sont deux grosses qualités qui vont faire que bah, vous allez passer beaucoup de temps, peut-être âgé de tourner en rond, mais c'est le but du jeu, l'exploration est plutôt sympathique, ce serait dommage de pas en profiter. Visuellement, je l'ai déjà dit, le jeu est vraiment magnifique. Je recommande aux gens qui ont des machines récentes bah, de profiter des très hautes résolutions qui vont faire que renforcer cet aspect typé. Et puis, ces palettes de couleurs, j'y reviens, qui sont quand même formidables. Ce que j'aime beaucoup, et ça je l'ai déjà dit aussi dans le stream d'intro, c'est cet aspect un petit peu démoscine qu'on retrouve dans le design, puisqu'il y a plein d'idées qu'on a déjà vu justement dans des démos, c'est assez rigolo, notamment bah, sur le dernier niveau, le passage des escaliers qui se modulent en temps réel de manière complètement zarbi, c'est vraiment un passage que j'ai beaucoup adoré personnellement. Je le recommande donc aux gens qui sont très très curieux et qui apprécient essentiellement les choses visuelles. La partie audio n'est pas en reste, puisque elle aussi elle est typée, et du coup on a un assemblage qui est assez surprenant, puisqu'on aurait pu s'attendre à de la musique très classique, limite gnangnan, et la team a fait le choix de trouver des musiques qui vont dans des directions qui peuvent être parfois surprenantes, et qui sont tout à fait géniales, puisqu'elles ne font que rajouter au sentiment de frais qu'on a en découvrant ce titre. Reste le gros morceau, la partie gameplay. Et là, c'est vraiment du bonheur. Puisque que ce soit en manipulant le petit personnage ou en manipulant l'oiseau, on a deux modes de jeu qui se complètent. Un qui vous permettra de plus ou moins interagir sur l'environnement. L'autre qui vous permettra de faire un peu de repérage justement sur les tableaux pour essayer de comprendre ce qui se passe et interpréter les choses à faire. Le choix est vraiment génial. De surcroît, bah, de niveau en niveau, le jeu monte les enchères et on reste pas sur le même gameplay. Donc les gens qui ont vu les streams savent très bien que sur les deux derniers par exemple, y a une façon de jouer qui va évoluer un petit peu et qui va changer au fil de l'aventure. Et c'est tout à fait génial puisque c'est amené subtilement, ça s'intègre totalement naturellement dans la narration. On n'est pas loin de dire que c'est du state of the art. Il y a des petits problèmes de caméra, parce que la team a voulu faire une caméra dynamique, et on sait qu'il n'y a rien de plus difficile que de programmer une caméra dynamique dans un jeu, puisqu'elle est à la fois liée bah, aux objets fixes, aux objets qui bougent, et attention surtout au choix du joueur. Et c'est vraiment très très complexe de faire une caméra parfaite. À ce jour, la seule team qui est arrivée à faire se rapprocher de la perfection de très très près, c'est vraiment la team Devil May Cry qui nous a sorti un truc absolument extraordinaire. Ceci dit, Van n'est pas en reste, la caméra est gérée de manière dynamique, de manière assez géniale,
Mais il faudra de temps en temps quand même corriger manuellement les choix de perspective, puisque elle ira se coincer dans des endroits qui n'étaient pas trop prévus. C'est le seul petit reproche qu'on pourra donner à ce titre. Pour le reste, moi je dois l'avouer, ce sera ma petite Madeleine de Proust 2019, puisque j'ai été très surpris par ce jeu et j'ai totalement trippé au travers de son aventure. Autre reproche qui reviendra souvent, c'est la durée de vie du jeu. Oui, l'aventure est relativement courte, puisque en fait on a une team très réduite qui s'est appliquée à faire ses univers, son univers, de la manière la plus fouillée possible, et tout en lui donnant un caractère, un genre. Ce qui veut dire que chaque endroit de vos maps que vous allez explorer a été bossé vraiment aux petits oignons, mais derrière il n'y avait pas l'équipe monstrueuse pour fournir tout le travail nécessaire. Est-ce que ça vaut le coup, au prix où il est vendu, de payer pour ce montant-là 2-3 heures d'aventure? Personnellement, je dirais oui, parce qu'aujourd'hui, on en est quand même dans une génération de jeux vidéo qui sont clairement du 8e art. Ça veut dire qu'on a une œuvre multimédia qu'on va aimer, peut-être pas uniquement à cause de son gameplay, mais un petit peu comme on tombe amoureux d'un tableau. Il vous tape dans l'œil, vous avez du mal à mettre les mots dessus, mais ce tableau vous plaît énormément au point que vous aimeriez l'avoir chez vous. Bah, c'est le même rapport qu'on a avec Val. Sa rejouabilité est pas terrible, puisque une fois qu'on a fait l'aventure, bah, si on le relance, on va refaire les mêmes choses. Ceci dit, il a en commun ce petit détail avec Ethan Carter. Il fait partie de ces jeux que personnellement, moi, je relance uniquement pour me balader dedans, me dépayser, aller ailleurs et me couper de l'instant réel qui me gonfle. Donc, Van, c'est vraiment une œuvre d'art plus qu'un jeu vidéo, bien qu'il soit totalement interactif et que sur sa partie jeu, il soit parfaitement intéressant. Donc, le reproche, c'est à vous de le gérer. Est-ce que pour le prix où il est vendu, ça vaut la peine? Ça, c'est votre choix. Moi, mon conseil, ça serait peut-être d'attendre une promo pour pouvoir le récupérer à un prix plus raisonnable et vraiment oublier le côté finance qui vous mène à ce jeu. Donc, vous l'aurez compris par mon enthousiasme, Van s'est totalement validé pour moi. Ce jeu m'a vraiment fait plaisir, il m'a fait autant de bien que d'autres titres que j'ai chroniqués et sur lesquels j'ai pas manqué d'éloge. Je vous laisse avec les playlists habituelles, la généraliste, celle des shmups et le bouton d'abonnement que vous ne manquerez pas de sélectionner si c'est pas encore fait, car vous aurez comme ça toutes les infos des nouveaux streams qui arrivent chaque semaine. Ciao.